On se retrouve du coup en voix off pour que je vous explique un petit peu ce que je vais faire lors de cette balade en main avec Papy Jean, même si je vous en ai déjà un petit peu parlé dans ma dernière vidéo, que je vous reglisse dans le petit qui va s'afficher à droite de la vidéo. Donc lors de cette balade, je vais tout simplement demander à Jean d'être à mon écoute, de ne pas tirer, de ne pas m'emmener vers l'herbe, de toujours être dans un pas qui est à mon rythme. Donc des fois on va accélérer le pas pour voir s'il est bien à mon écoute, on va ralentir le pas pour voir s'il est bien à mon écoute aussi. Je vais aussi lui demander quelques arrêts, quelques reculés, quelques déplacements d'aspiration et dans l'ensemble Jean est à mon écoute. Même s'il va m'échapper 2-3 fois pour aller brouter puisque l'herbe ça lui fait trop de l'œil en fait. Et en fait j'essaye de retravailler ce mauvais comportement pour qu'il soit dans une meilleure attitude en balade et éviter ainsi les désagréments du fait qu'il tire en fait vers l'herbe parce que c'est pas super agréable. Voilà. Donc, comme je le craignais, Papy Jean est très... Il a vraiment le feu au cul, en fait. Donc, du coup, j'ai dû beaucoup le marcher, beaucoup travailler, le respect, beaucoup retravailler un petit peu tout ça. C'est pas forcément facile en ce moment en balade à pied avec lui. Tout simplement parce qu'il a eu pas mal de soucis de santé. Donc, cet été, on n'est pas forcément beaucoup parti en balade cet été. À l'automne, encore moins, puisqu'il a eu son abcès de poitrail. Il a eu plein d'autres petits trucs, donc on a vraiment fait des courtes distances en fait, et je suis pas forcément partie trop en balade avec lui. Donc du coup c'est un peu compliqué. Voilà, donc là je retravaille depuis 2-3 jours le fait qu'il reste à l'écoute, voilà, qu'il arrête de vouloir toujours m'embarquer vers là, parce que c'est ça son gros défaut, Jean, c'est quand on part en balade à pied, c'est « Oh c'est trop cool, je vais brouter, je vais manger de l'herbe ». Mais en fait, je fais pas attention à l'humaine qui est à côté de moi. Donc voilà, donc il faut vraiment retravailler ça. On le fait aussi avec Petit Pied, mais moi, Petit Pied, là, honnêtement, j'ai pas le temps de le travailler. Il faut vraiment que je me concentre aussi un peu sur Jean. Donc voilà, donc Petit Pied un peu à l'arrêt, un peu beaucoup à l'arrêt. J'espère pouvoir reprendre le travail assez rapidement avec lui, mais ça risque d'être assez compliqué, je pense. Voilà, donc là, on va profiter un petit peu que Jean ait le nez posé dans l'herbe et qu'il broute. Là, j'ai rien. Il a eu peur. Il a rien du tout, il a eu peur. Qui broute pour. Non, c'est parce qu'il y a le tracteur, peut-être, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas de quoi il a eu peur. Donc, je profite en fait qu'il ait un peu le nez dans l'herbe et qu'il broute. C'est rien, loulou, c'est une souche. Ah non, c'est parce qu'il y a mon frère en fait qui arrive avec sa portinette au Kleenex et que il le voit pas. Et comme il a un petit problème de vue, Jean, il est un peu. Sur l'offensive, voilà. Allez, moi je vais vous laisser parce que je sens que Jean va partir dans tous les sens et j'aimerais vraiment le retenir, à moins qu'il y ait un animal sauvage dans les fourrés là, juste derrière nous, je ne sais pas, on va voir. Et puis voilà, et puis on va finir la balade tranquille ou bidou avec les garçons. Et je pense qu'il y en a un qui est en train de nous rejoindre. Après, maintes péripéties parce que Jean il a eu peur de je sais pas quoi. On les a retrouvés, on est content. Les poneys là, ils sont en train de brouter tous les deux. L'autre il est en train de se réconforter dans l'herbe. Et puis on va pas tarder de rentrer. Voilà. Non. Si, on rentre. Non, ma chouinette, on a à peine sorti 5 minutes. Ouais. J'avais à avoir 15 minutes de brouter. T'avais qu'à sortir plus tôt. Yalla. Ce petit machin veut négocier. Yalla. Moi je veux négocier. Là je vais essayer de négocier avec lui. Moi j'ai dit 15 minutes, moi mon fils. Moi je vais essayer de négocier avec Jean et ça va pas être de la rigolade. 15 minutes de chouinex. Mais non, vous voyez, hein, j'ai beau tirer sur le machin là. J'ai beau tirer là-dessus là, ça va pas, hein. Yalla, moi je suis fouetté le cul là, hein. Ça va tout ça. Yalla. Oh le pauvre. Oh le pauvre. Yalla, pour le côté, si tu veux que ça avance là, c'est jambon. Yalla. Jambon, un jambon. Ah,
Tu veux bien répéter? C'est des points d'un jambon. C'est lui le jambon, là, c'est lui le grand jambon. Non, mais tu crois un peu bien comme il faut, hein. Ouais, peut-être un sanglier là-bas, en fait, compte. Je viens de voir un truc là bouger là-bas. Peut-être un sanglier. Non, le sanglier, c'est lui là. Il s'est encore roulé. Bon, allez, on va rentrer, hein, tranquillement. Parce que les garçons. Oh, qu'il est beau! Parce que les garçons, ils sont en train de brouter, de vivre leur meilleure vie, mais nous, on est en train de se les geler. Hein. Et puis, ben, faudrait peut-être rentrer. Voilà. Allez, on va y aller. Ni la quatrième, ni la cinquième, ni la sixième, ni la septième. T'avais qu'à te réveiller avant. Voilà. Oui, parce que Jean, il n'est pas content, parce que monsieur Petit Pied est devant. Et que lui, ben, il va être devant. Mais il s'est pas réveillé avant. L'air pied trop bon, d'abord. Là, on rentre. Ah, je vais vous faire un bisou. Hein? Ensuite, on rentre tout simplement à l'écurie. Donc, pour ce faire, je vais emmener Jean dans le bâtiment que je vous ai présenté lors de la première partie, donc qui est tout simplement ma petite vidéo routine du soir avec les garçons. Et du coup, bah, je vais rentrer la moitié du corps de Jean dans le bâtiment, puisque je vais tout simplement lui demander de s'arrêter pour pouvoir lui enlever son licol en corde, pour pouvoir lui changer par un licol plat, puisque tout simplement après, je vais amener Jean au coin écurie et aussi de par le fait au coin pansage pour le placer et pouvoir lui faire les soins. Mais je vous laisserai découvrir les soins que j'effectue à Papy Jean le soir dans une prochaine vidéo qui sortira juste après celle-ci.